m'appelle Gaétane Laroche. Je suis venue ici à l'invitation de Carole. J'étais à la photocopieuse et elle m'a invitée. Alors, j'étais bien contente parce que j'avais même pensé d'aller à un autre endroit où on m'en avait parlé, où le mercredi après-midi, on pouvait faire un peu ce qu'on fait ici, mais il n'y avait pas de personne nécessairement pour nous guider. Alors, ça comblait mes désirs. Ce n'est pas nécessairement un proverbe, c'est une citation que j'avais notée à l'hiver et puis que je trouvais que ça me rejoignait. Alors, quand on a parlé de trouver un proverbe ou une citation, bien, c'est ça que j'ai pris. Alors, c'est « Nous tissons notre destin, nous le tirons de nous comme l'araignée sa toile. » C'est de François Mauriac. C'est l'histoire d'une tourterelle qui a perdu ses ailes en cours de route et puis après plein de péripéties, ben elle les retrouve. Et cette tourterelle, ben c'est moi. Le printemps s'éveille, tout éclate dans la nature, c'est la saison des amours. La tourterelle, Josette, avec toute son élégance, s'est laissée séduire par le pigeon Émile au plumage plutôt modeste. C'est le plus, disons, point de vue, je pourrais dire, apprentissage, c'était le collage. Parce que j'en faisais déjà avec certaines personnes comme bénévole. Et puis là, bien, je voulais apprendre davantage. Alors, je suis venue souvent à la bibliothèque. J'y venais déjà avant, bibliothèque des jeunes en bas. Et puis là, bien, j'ai beaucoup feuilleté les livres, les revues, Bon, alors, je regardais les couleurs, je regardais l'agencement. Et même que je me promène sur la rue, puis là, hey, je regarde les couleurs, je suis encore... On dirait que ça m'a vraiment stimulé à ce point de vue-là. Alors, c'est ça que... Et puis, tout agencer c'est ça, tout composer avec tout ça, ben ça m'a demandé pas mal de concentration, beaucoup d'imagination. Un côté de moi, peut-être, qui était moins... je dirais, moins stimulé. Alors, c'est ça. Alors, j'apprends beaucoup à travers ça, mais ça me demande quand même beaucoup parce que je suis un peu... Moi, je suis habituée à le faire aux autres. Bon, alors, ayant déjà été professeur, mais m'asseoir, moi, puis m'arrêter, bien, avec ma musculature un peu rigide, bien, j'ai un peu de misère à... Alors, ça me demande du temps et c'est bien, j'apprends. Alors, j'ai aimé être avec d'autres personnes parce que toute seule dans la vie, là, il faut se confronter pour, je dirais, pour avancer. Alors, dans une équipe, ici, bien, on a... à se confronter, oui, avec soi-même pour commencer, mais aussi avec les autres. Alors, ici, surtout, c'est avec François qui est à mes côtés et puis qui m'a conseillé. Mais oui, il m'a fait montrer vraiment l'agencement des couleurs et puis, bon, ça m'a aidé. Et je vois les autres, bien, elle s'orientait plutôt vers l'écriture ou je ne sais, là, mais c'était quand même agréable.